Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous accueillons ce soir Vincenzo Zina de Rex. Bonsoir Vincenzo. Bonsoir Alain, bonsoir tous les participants. Alors, bien sûr, c'est Vincenzo qui va présenter ce webinaire. Je serai là pour répondre s'il y avait des questions spécifiques à WH Self-Invest. On aura l'occasion de reprendre, enfin, on se peut se partager l'écran, donc j'aurai l'occasion de reprendre la main à un moment donné pour afficher Nano et montrer en temps réel sur un compte réel le marché. Voilà, donc c'est un webinaire qui se veut interactif. Il y aura des questions. Là, on a utilisé l'outil de sondage dans un tout premier temps, parce qu'il y avait quelques petits soucis de passage du son. Je ne sais pas honnêtement pourquoi, mais bon, c'est revenu, fort heureusement. C'est les joies du direct, quelque part. Donc là, on est en mode enregistré. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne WH Self-Invest d'ici la fin de semaine. Et sans plus tarder, puisqu'on démarre avec quelques minutes de retard maintenant, mais sans plus tarder, je laisse la parole à Vincenzo. Super, merci beaucoup Alain et merci beaucoup mesdames, messieurs que vous avez la patience de 20 minutes. Alors, j'essaie quand même faire une heure si ça va. J'essaie peut-être faire un petit peu moins, mais je vais regarder. Alors, vous pouvez toujours poser des questions parce que là, on est là pour ça. Moi, je vais aussi poser des questions pour voir, oui, si, qu'est-ce que je dois expliquer mieux ou moins. Et si vous n'avez pas compris quelque chose que moi je disais, je vous prie de l'écrire, comme ça on peut les répondre. Alors, moi, je suis Vincenzo Zina de Eurex. Comme vous entendez, je ne suis pas natif français, je vis en Suisse, mais quand même, j'espère bien que vous me comprenez. Alors, les mini-futurs et maintenant on a aussi les micro-futurs. Je vais vous dire après pourquoi on a lancé les micro-futurs, mais pour, disons, pour savoir, pour moi, plus ou moins, est-ce que vous savez où Eurex a été créé? Est-ce que vous savez si Eurex a été créé dans la Suisse, l'Allemagne ou dans l'Autriche? Qu'est-ce que vous pensez? L'Eurex a-t-elle été créée en Allemagne, Autriche ou en Suisse? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont cliqué. Alors, Suisse, Allemagne et Autriche. Alors, OK, je vais vous faire voir le sondage. Voilà, il y a 100% Allemagne, 100% Allemagne. Alors moi, je vais vous dire, et je ne sais pas si vous connaissez là le gag, Wer hat es erfunden, Ricola, c'est les Suisses, c'est pas en Allemagne. Alors, il y a dans le 1988 où la Suisse elle a créé Swiss Options and Financial Futures Exchange. C'était la SOFEX. Et après, il y avait un gay allemand qui a dit, ah, mais c'est une bonne idée, après 2 ans. Et il a créé la Deutsche Terminbörse. C'était copy-paste, c'était la même chose que la SOFEX qu'on a créée en Suisse. Et après 2, 3 ans, on a mergé les SOFEX et DTP. Et maintenant, c'est Eurex. Mais effectivement, l'idée de créer une bourse électronique, c'était en Suisse et c'était effectivement la première bourse électronique dans tout le monde. OK, alors c'est la Suisse à la fin et je suis content comme je suis en Suisse. Alors maintenant, vous avez raison, maintenant c'est en Allemagne que où on a le centre, mais on est dans tout le monde, comme vous voyez, on est dans l'Amérique, on est dans l'Asie, comme dit-on, dans China, vraiment dans tout le monde. Quand même, on est à Francfort maintenant, OK? Puis, comme j'avais dit que je fais des questions, je voudrais bien savoir qui de vous a déjà traité avec des futurs. C'est un sondage neutre. Il n'y a personne qui voit qui a dit s'il a traité ou non.
C'est plus pour moi pour savoir comment procéder après. OK? Alors, il y a là plusieurs parts qui a déjà voté. Alors, je vous fais voir. C'est 57% qui ont déjà tradé, 43% non. Alors, j'espère bien de pouvoir donner des choses que vous rappelez pour les deux, pour ceux qui ont déjà traité et aussi pour les personnes qui n'ont jamais traité. Alors, ça, c'est le but que vous apprenez les deux quelque chose. Et comme j'avais dit, s'il y a des questions, vraiment posez les questions, parce que à la fin, Alain, il va voir s'il y a des questions et il va les poser à moi. OK? Alors, Alain, peut-être avant de dire qu'est-ce qu'ils sont les futurs, est-ce que tu pourrais prendre la main et faire voir le DAX, le micro-DAX, où il est, et on fait un petit sondage pour demander aux clients s'ils veulent acheter ou s'ils veulent vendre. OK? Voilà. Alors, je fais le sondage avant. Après, tu fais voir ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voudriez bien vendre le micro-DAX ou est-ce que vous voudriez bien l'acheter maintenant? Maintenant, c'est pour les prochaines minutes, heures, 1 heure, quelque chose. Alors, acheter ou vendre, vous pouvez cliquer. À la fin, oui, c'est Alain qui vous fait voir comment ça va sur WH Self Invest. Alors, il y a une tendance, Alain. Il y a une bonne tendance maintenant. OK, alors je fais voir le sondage. Alors, effectivement, je vais peut-être apporter une petite précision. Le graphique que vous avez à l'écran actuellement, c'est un On ne le voit graphique. pas, on ne le voit pas, parce qu'on avait le sondage. Ah, On ne le voyait d'accord. pas, parce qu'il y avait le sondage. Mais seulement pour dire, il y avait 70%, 75% qui ont dit acheter et 25% vendre. D'accord. Donc, avec seulement 50% des gens qui ont voté, en l'occurrence. Donc, tout le monde n'a pas voté. Parmi ceux qui ont voté, effectivement, les trois quarts souhaitent acheter. Donc, ce qui est utile de présenter, c'est qu'actuellement, on a un graphique en 1 minute. Hein, donc, c'était utile quand même de. Là, on a l'impression, c'est pas sur Alain, du. moi je ne vois pas ton écran. Ah, tu ne vois pas mon écran. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Désigné comme présentateur, pourtant. Alors, pourquoi on ne voit pas mon écran? C'est peut-être. Alors, attends, 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 on a encore un. C'est les joies du direct dans ce sondage. On a les joies du direct. Je suis en train de chercher un écran. Donc, est-ce que là, on voit mon écran? Alors, Maintenant, c'est bien. on le voit? Oui. C'est bon. Alors, bon, le sondage est fermé maintenant, mais effectivement. Vous avez maintenant à l'écran, donc si tu vois Vincenzo, tout le monde doit le voir. Donc vous avez un graphique du micro DAX futur sur l'échéance de décembre 2022 et on visualise donc quelque part sur la droite le carnet d'ordre. Donc on est bien sûr à 18h27, la séance cash est passée maintenant. Donc on est sur le Globex, on est hors séance cash, donc il y a un petit peu moins d'activité. Sur le futur. Là, une majorité a voulu acheter. Donc, ce que tu me proposes, là, je suis sur un compte réel. Est-ce que moi, je fais en fonction de mon intention ou est-ce que je fais en fonction des gens qui ont voté? Qu'on est sur un compte réel. Si c'est faisable, je voudrais bien que tu fasses qu'est-ce que les clients ont dit. Alors, ce que les clients ont dit, bon, alors on y va, on vend. Non, Alors, ils ont dit acheter, ils ont dit acheter. ah, ils ont acheté, pardon, ils ont dit acheter. Ils ont dit acheter. Donc, je vais juste ici, voilà, ils ont dit acheter. Alors, buy. L'ordre a été rejeté. Alors, qu'est-ce que. J'ai un petit. Encore les joies du direct. Décidément, la journée est compliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je fais supprimer ce symbole.
Pourquoi je ne pourrais pas acheter ici le DAX? Qu'est-ce qui se passe? Ça a marché tout à l'heure. Peut-être parce que toi, tu voulais vendre. Je m'y mette. Oui, bien sûr, mais je vais mettre l'autre compte pour voir si ça marche mieux. Alors, attends, je vais ici désactiver et je vais passer sur le paper ici. Et on va, ah, donc, c'était les gens voulaient acheter, donc on Et achète. voilà. Voilà, donc c'est acheté. C'est acheté. C'est acheté en l'occurrence. Donc, comment on s'aperçoit que c'est acheté? Tout simplement, c'est acheté à 12 814. C'est acheté à 12 814. Et ici, on a une petite fenêtre qui s'appelle PNL, Profit and Loss. Donc, on est à 1 euro du point. Il y a un contrat d'acheter. Donc, comme je vais faire un gros zoom ici pour montrer un peu ce qui c'est, où on est par rapport. Voilà, on va faire un gros, 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 gros zoom, même très, très gros. Voilà, on va faire un très gros zoom ici. Donc, alors, on va faire un très gros zoom ici. OK, écoute, Oui. Alain, on va acheter, on va regarder après qu'est-ce qui se passe. C'est bien pour toi? Alors On oui, va. on est en position et maintenant je te redonne la main. C'est ça, on laisse la position courir et je te Voilà. redonne la main. Ça marche. OK, Super, alors merci beaucoup. c'est reparti. Voilà, je fais désigner comme présentateur. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vois que j'ai la main encore. Alors, il y a 50% ou plus qui savent déjà qu'est-ce qui c'est le futur. Quand même, je veux expliquer aux 40% qu'est-ce que c'est. Alors, un futur, c'est rien d'autre qu'un index. C'est le DAX, c'est le SMI, c'est le Standard & Poor's, c'est toutes ces choses. Quand même, c'est un contrat dérivé. Et on peut acheter les futurs comme on a fait maintenant, mais on pourrait aussi les vendre parce que comme ça, on pense que le marché il va descendre, on pourrait les vendre. Et on a une date établie et aussi le prix. Alors, comme on a fait, on a acheté à 1200, non, 12 814 et après, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, comme j'avais dit, on peut acheter ou vendre, on peut faire les deux directions. Il y a le sous-jacent, c'est le DAX, comme j'avais dit, mais il y a aussi des futurs sur des actions, sur BASF, sur actions françaises aussi, sur des actions suisses. Mais le plus, les futurs, les plus, on les trade sur le DAX, sur le Eurostoxx et tout, sur les autres indices. Alors, on peut l'utiliser comme hedge, ça veut dire pour garder un portfolio, pour dire on a un portfolio de, je sais pas, combien, 100 000 ou 1 million, et on vend les futurs pour protéger le compte. Et clairement, on peut faire un investment comme on a fait maintenant, on a acheté, on dit le marché il va monter, alors on achète, c'est un investment. Pourquoi l'utiliser? Il y a plusieurs choses pourquoi l'utiliser. OK? Alors, moi, j'ai vu que j'aurais déjà l'autre question. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous savez quel est le titre qui a le plus de poids dans le DAX? Alors, est-ce que c'est SAP? Est-ce que c'est, comme dit-on, Huawei? Est-ce que c'est Linde? Est-ce que vous savez quel des trois titres il a le poids le plus élevé? Alors, vous pouvez cliquer quelque chose, c'est égal, parce qu'à la fin, je vous fais voir. OK? Il y a 50% qui ont voté. Voilà, maintenant plus. J'entends encore 2 3 secondes. OK. Alors, je fais voir le sondage. Il y a 80% qui disent le Huawei, pardon, et 20% le SAP.
Maintenant, je vous fais voir qu'est-ce que c'est la réponse juste. Alors, d'abord, il y avait 30 titres. Maintenant, il n'y a pas seulement 30, mais il y a 40 titres. Et vous voyez que le titre le plus élevé, c'est l'INDE. SAP, c'était le deuxième. Et VW, c'est, je sais pas, je pense qu'il a seulement 3 ou 4% de poids. Dans le DAX. Alors, pourquoi c'est important de savoir quel est le titre qui a le poids le plus grand? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si, disons, on achète le DAX comme on l'a fait maintenant, il faut savoir que l'INDE a un poids de 10%. Pourquoi? Parce que disons que tout le reste reste où il est, toutes les autres actions. Mais l'INDE monte, pardon, l'INDE monte de 10%. Alors, si l'INDE monte de 10% et tout le reste, toutes les autres actions, elles restent où elles sont, ça veut dire que l'indice, il monte de 1%. L'INDE a 10% de poids. S'il monte 10%, c'est 10% de 10%, c'est 1% que le DAX, il va monter. Si c'est SAP, c'est 0,8. Si c'est Deutsche Telekom, c'est 0,6%. Alors, le poids des titres a une rélevance sur comment le DAX il va bouger. Alors ça, c'est très important de savoir ça, alors de connaître ces titres, de savoir, ah ok, si moi j'achète le DAX, ça veut dire que moi, je suis convaincu que ces titres, ils vont monter. Ça, c'est très important. Alors, je vous fais voir aussi le Eurostoxx, parce qu'on a aussi un micro sur le Eurostoxx. Il y a 50 titres, là, il y a tous ces titres qui sont dans le top. Et il y a aussi le SMI, il y a 20 titres. Mais attention, là, il y a Nestlé, Roche et Novartis qui ont, Jacques, plus ou moins 18%. Alors, ils ont un très grand poids, dans le marché. Quand même, on se concentre sur le DAX. OK? Alors, si on va regarder, maintenant, on a les trois indices. On a le DAX, on a le Eurostoxx et on a le SMI. Si on va regarder les derniers 3 mois, le DAX a perdu le plus. Si on va regarder aussi dans une année, 2 années, une année, c'est plus ou moins, pardon, c'est plus ou moins la même chose. Ah, c'est plus ou moins la même chose. Quand même, je veux bien vous dire, ne comparez jamais le DAX avec un Eurostoxx ou le DAX avec un SMI. Pourquoi? Le DAX, c'est un performance index, c'est un index de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? La performance, ça veut dire il suit les gains, mais il réinvestit les dividendes. Et le Eurostoxx et le SMI, il ne réinvestit pas le dividende. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Eurostoxx et le SMI, chaque année, ils perdent 3% de dividendes. Dans le futur, c'est calculé, vous ne perdez pas s'il y a la dividende qui descend. Quand même, si on va comparer, maintenant, j'avais comparé le DAX, SMI et l'Eurostoxx du 17 jusqu'à maintenant, mais si on veut vraiment le comparer, alors ça veut dire que on devrait calculer 3% en plus. Vous voyez ici dans l'Eurostoxx, 3% en plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 3% en plus de gains et aussi pour les SMI. Alors, ça veut dire que c'est 7%, c'est 7% par année et c'est 4%, c'est 4% par année. Parce que dans le DAX, la dividende est déjà réinvestie et dans le Eurostoxx et le SMI, la dividende n'est pas réinvestie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous achetez un futur DAX maintenant, si le DAX il est à 13 000, le futur décembre ou aussi décembre de l'année prochaine, plus ou moins, est à 13 000. Si vous achetez un futur du SMI, si le DAX est à, je dis, 10 000, alors, il y a les 3% qui descendent, ça veut dire que le futur de l'année prochaine, il sera à 9 700. Ça veut dire moins les 3%. Ça, c'est important à savoir pourquoi
Le SMI, le futur rend le pays moins que l'indice, mais dans le DAX, c'est l'indice et c'est la même chose parce que les dividendes sont réinvestis. On ne perd pas les dividendes dans comme dit, dans l'indice. Alors, c'est bien à savoir que oui, c'est juste que c'est comme ça, mais si on est honnête, on dit que le DAX, il a fait 0, l'Eurostoxx 7 et le SMI 6%. Si on regarde les 5 ans, c'est 4% et 7% pour le SMI et pour le Eurostoxx. Ça, c'est important à savoir que le DAX est un performance index. OK. Alors, j'ai vu que j'ai une autre question là. Alors, la question c'est, j'aurais pu la faire aussi après, mais est-ce que vous pensez que avec un futur, on a un levier? Est-ce que vous pensez de oui ou est-ce que vous pensez de non? Alors, je vous avais dit qu'avec le futur, c'est un indice que vous achetez ou que vous vendez. Est-ce que vous pensez qu'avec le futur, vous avez un levier? Voilà, je vois qu'il y a plusieurs des personnes qui ont voté. Alors, je fais voir le sondage. Alors, il y a 67% qui disent oui, 33% qui disent non. Alors, on va voir ça, on va voir le résultat plus tard. Alors, nous, on a lancé des micro-futures sur le DAX, sur l'Eurostoxx, sur le SMI, comme j'avais dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un futur? Un futur a toujours un contract value, ça veut dire le prix de l'indice, plus ou moins, et le tick value, mais il a aussi un contract size, contract multiplier. Dans les micros, c'est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez un micro DAX, comme on a fait avant, c'est effectivement les 12 847 que vous bougez. Si vous achetez le mini DAX, parce qu'il y a aussi le mini DAX, c'est un contract size de 5. Ça veut dire que si vous achetez un mini DAX, vous achetez 5 fois les 12 847. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Eurex, tous les futurs et toutes les options ont un contract size, un contract multiplier, c'est égal, c'est la même chose. Alors, et ça veut dire qu'il faut le connaître parce que si vous achetez une action, une option sur une action, il faut savoir quel est le contract size. C'est 100, c'est 1000, c'est 10, ça dépend qu'est-ce que vous achetez. Alors, micro DAX, vous achetez vraiment quelque chose pour 12 847, alors c'est votre risque. Si vous achetez le mini, c'est 5 fois les 12 000. Et si vous achetez le grand DAX, c'est 25 fois les 12 847. Ça, c'est vraiment très important à savoir. OK? La même chose dans le Eurostoxx et dans le SMI. OK? C'est le contract size 1. Alors, ça veut dire que dans le Eurostoxx, vous bougez 3 520 euros. OK? Alors, maintenant, on va regarder le développement des micro futurs. On voit, c'est clair, en mars 22 qu'il y avait beaucoup de volume. Maintenant, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même, il y a beaucoup de volume dans les micro DAX. Je pense qu'on a plus ou moins 30, 35, 40 000 contrats tradés par jour. Vous avez vu, on a tradé un contrat maintenant. Alors, on est aussi part de ces 35 000 qu'on va trader aussi aujourd'hui. Et vous voyez que en mars, on avait 60 000 de volume journalier. OK? Mais normalement, c'est 30 000 plus ou moins, 30 000, 25 000. OK? Il y a, qu'est-ce qu'il faut savoir peut-être, mais pour vous, c'est égal, c'est 25% des clients qui traitent. Et c'est 63% de market makers, des traders
achète et vend. Alors, maintenant, on va regarder, mais la volatilité, qu'est-ce que c'est que ça? Mais avant de vous faire voir ça, je voudrais bien savoir de vous. Voilà. Ah non, ça c'était l'autre. Ah non, je n'avais pas posé cette question. Ok, je n'avais pas posé cette question. J'avais pensé que je vous avais demandé le futur. Non, il n'y a pas cette question. Alors, la volatilité, qu'est-ce que c'est que ça? La volatilité est de savoir est-ce que le marché, il bouge, ça veut dire en haut ou en bas. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire une volatilité de 32%. Alors, la volatilité de 32%, il y a beaucoup de personnes qui croient que ça veut dire que on pense, on s'imagine que le marché puisse monter 6% ou puisse descendre 16% dans une année. Mais ce n'est pas vrai, c'est quand on voit une volatilité de 32%, ça veut dire que les personnes, ils croient qu'il y a une probabilité de 68% que le marché il puisse monter 32% ou descendre 32%. Et maintenant, pour être honnête, oui, 32%, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a une chose vraiment très facile à savoir, il y a le numéro 16. Pourquoi je dis le numéro 16? C'est le, comment dit-on, square root, on dit comment, hein, le square root de 256, c'est... Comme vous dites, je ne sais pas en français. Ça donne 16. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une volatilité annuelle de 32%, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les 32%, les divider par 16, ça nous donne 2%. Qu'est-ce que ça veut dire, les 2%? Ça veut dire qu'on expecte une volatilité quotidienne de 2%. Alors, le numéro 16 est très important parce que c'est clair, la volatilité annuelle de 16% veut dire une volatilité quotidienne de 1%. Et 48%, c'est 3, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur la volatilité? La volatilité ne se ferme pas à 100%. Alors, la volatilité, disons, elle peut aussi aller à 160%. 160%, ça veut dire qu'on s'expecte que le titre, l'indice ou le titre, c'est égal, il bouge de 10% journalièrement en haut ou en bas. Alors, parce qu'on fait 160 divisé par 16, ça vous donne une volatilité quotidienne de 10%. Alors, 160%, c'est vraiment haut. Déjà, 80%, c'est déjà haut. Parce qu'on pense que le marché, alors le titre, le DAX, il va bouger de 5% en haut ou en bas. Alors ça, c'est vraiment, disons, très important de savoir. Alors, mais maintenant, on a vu, disons, qu'il y a la volatilité. J'espère bien que vous avez compris qu'est-ce que c'est la volatilité. Si vous n'avez pas compris, je vous prie de poser la question, d'écrire dans le chat que vous n'avez pas compris. Comme ça, je réexplique. Alors, maintenant, j'ai un autre sondage. Alors, est-ce que vous pensez, parce que maintenant, j'ai parlé de la volatilité, je vous ai dit que la volatilité, c'est dans les options. Est-ce que vous pensez que la volatilité, elle a une influence sur le trading des futurs? Est-ce qu'elle a une influence? OK, je vois une tendance très, très, très claire. OK. Alors, j'attends plus. Là, la tendance, c'était, voilà. 100% ont dit oui, bravo. Oui, clairement, la volatilité, normalement, la volatilité, on parle seulement de volatilité quand on parle d'options, parce que la volatilité, c'est dans les options. Mais la volatilité, c'est clairement aussi dans le futur, parce que si on traite, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a la volatilité, comme j'avais dit, les 32%, c'est 2% de flou.
fluctuations journalières, mais plus de fluctuations, ça veut dire qu'on a un succès plus rapide. Et le succès, attention, c'est ça peut être que vous gagnez, mais le succès, alors, au moins en allemand, on dit comme ça peut être aussi que vous perdez. Alors, on peut perdre plus vite, on peut gagner plus vite. C'est clair que si la volatilité est plus haute, alors c'est ça. Et une autre chose, plus la volatilité elle est haute, plus de marge vous payez. Et ce n'est pas WH Self-Invest qui décide eux-mêmes. Oui, eux, ils décident, mais c'est Eurex qui leur dit, nous voulant, disons, X de marge de vous. Et après, WH Self-Invest, ils vont décider, ah, est-ce qu'on prend le même figure ou est-ce qu'on prend moins ou plus? Okay? Ça, c'est le point, comment WH Self-Invest fait la marge. Okay? Et avant de continuer sur la marge, Alain, si tu pourrais nous faire voir encore le DAX et si tu pourrais nous faire voir si on a gagné ou si on a perdu. Alors, OK, donc je rebascule de mon côté. Il faudra juste me confirmer si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, Est-ce que... moi, je ne vois pas. Alors, c'est qu'à chaque fois, il faut que je fasse la petite manip ici. Est-ce que maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Donc... Alors ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même un petit plus 1. On avait acheté, hein, rappelez-vous. Donc on avait acheté, donc j'ai mis ici la matérialisation, plus un contrat. Donc on est long de un contrat. On est toujours long de un contrat depuis tout à l'heure. Et effectivement, il s'est passé quelques minutes. Vous pourriez compter les bougies. Une bougie fait 1 minute. Donc le nombre de minutes qui s'est écoulé. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le marché est relativement latéral. Bon, je dirais, mon propre commentaire de marché, c'est assez habituel à cette heure de la séance où les grands mouvements ont plutôt lieu dans la séance cash que hors séance cash. Donc, ce n'est pas une grande surprise non plus. La séance cash ayant pour sa part, vous voyez, elle a carrément fermé à 17h30. Hein. Donc ici, on a eu la clôture du cash. Donc, et depuis lors, on est plutôt en dérive latérale. Si maintenant on prend ici, vous voyez, par rapport au mouvement complet, là, le mouvement complet de la journée, si on zoome la journée, on est là. Hein, voilà toute la journée, quelque part. Donc, effectivement, on est dans une portion de prix beaucoup plus réduite. Et là, effectivement, on est en perte de 8 points. Donc, ici, on voit PNL moins 8. C'est-à-dire que par rapport à nos 12 000, alors je peux aussi enlever peut-être ce trait-là qui vous perturbe peut-être. Voilà, ici, le niveau où on est entré en position, c'est 12 814. Et depuis 12 814, on est passé en gain latent, on est maintenant en perte latente. Vous voyez, on vient de faire un tick plus bas à 12 804. Et là, on est pile 10, hein, on perd 10, 9. Hein, vous voyez? Donc, alors quand on voit dans le PNL que ça bouge, pour la petite anecdote, que ça bouge à 9, alors qu'on ne comprend pas, on est à 12 804 et on aurait dû avoir 10, c'est parce que tout simplement, la case PNL indique à quel serait votre gain réel si vous étiez exécuté au mieux à l'instant T. C'est-à-dire que dans le carnet d'ordre, on a un peu moins de liquidité qu'en séance, donc on peut avoir effectivement un petit écart, on n'est pas forcément à un spread de zéro, il peut y avoir un spread de 1 ou 2 ticks. Et là, voilà. Donc là, maintenant, 11, vous voyez, 12 814 à l'achat. On a beau à la dernière cotation, 12 803. Donc, bon, pour le coup, on voit effectivement que la perte latente augmente depuis que j'ai commencé à parler, puisqu'on a eu de nouveau un retour. Voilà. En cours sur un retour. Voilà pour le commentaire. Est-ce que tu veux que je te repasse la main? Non, non, non. Alors, je voudrais bien que tu restes là, mais quand même que je pourrais parler. Merci beaucoup, Alain. Alors, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Jamais, jamais, jamais
faire, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On ne fait pas un trade et après, on le laisse aller, on ne le regarde pas. Maintenant, on a, pour une demi-heure, on n'a pas regardé. Maintenant, on perd déjà 16 euros. Et moi, je voudrais bien, Alain, que tu puisses faire voir comment on fait un one cancel the other, un ordre. On peut faire des ordres divers, on peut faire ou seulement un stop loss ou un trailing stop. Ça veut dire que si ça monte, le stop, il va toujours bouger. Ou un one cancels the other. Maintenant, ce sont déjà 18. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? WH, Selfimess, ils ont une, comment dit-on, one cancels the other Oui, ordre. l'un annule l'autre. Alors effectivement, avant de prendre une position, là on était sur le mode désactivé de la plateforme, donc le mode désactivé est un mode manuel sans protection particulière. Or, dans la plateforme, on va pouvoir définir son risque maximal, donc avec un stop sur un certain nombre de ticks et une target sur un certain nombre de ticks. Donc, autant que faire se peut, on prévoit effectivement un stop et pourquoi pas un objectif aussi. Donc, en fonction de la volatilité du marché. Donc, de la volatilité, je dirais, à l'instant T, on est sur du 1 minute. Et la volatilité, je dirais, pour moi, depuis 17h40, là, si on est sur du mouvement court terme, on pourrait tout à fait dire que le marché, effectivement, il est dans un range pratiquement horizontal ici. Et si on prend la largeur de ce range, voilà, la largeur de ce range horizontal, on peut effectivement se dire que là, on mesure avec ce petit outil la largeur de ce range, on a 24 ticks. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais fait le calcul dans la phase de préparation avec Vincenzo et on avait une trentaine de ticks. C'est pour ça que j'avais mis 30 de stop. Et un objectif de 50, comme ceci. Si, alors, il y a la possibilité de rattraper le tir, on est en position, on a un contrat, on a complètement oublié de mettre le stop et l'objectif, on peut le faire en un seul coup rapide, c'est-à-dire on dit, je quitte le mode manuel et je passe au mode trade guard, donc je change le mode de la plateforme. Et le simple fait de faire ça, voilà, il a fait le nécessaire. Il a mis, donc, on le voit, mais il a mis un stop et un objectif par rapport au prix où nous nous situions, pas par rapport à notre prix d'entrée. On est rentré à 12 814. Là, on a modifié les choses à l'instant maintenant. Et donc, il a mis quelque part un objectif à 50 points. Donc, si je dessine un petit rectangle par rapport où on était, les 50 points sont ici. Vous voyez, par rapport à l'objectif, il m'a défini un objectif là. Et il a mis, par définition, également un stop ici, comme ceci, à ce niveau-là. Donc, le stop à 30 points et l'objectif à 50 points. Mais par rapport au niveau où on est, par rapport aux 12 792, on a protégé la position, mais là, donc, il aurait mieux valu, bien sûr, la protéger tout à l'origine. Alors, toujours dans le cadre de la préparation du webinaire que j'avais fait avec Vincenzo juste avant, moi, je remettrai mon grain de sel, mon petit grain de sel. Évidemment, il ne faut pas du tout acheter ou vendre sans avoir une position que l'on a protégée. Mais ici, ce que je recommanderais, c'est d'aussi regarder un peu ce qui se passe. Alors, pour le coup, on va tout enlever. Je fais Exit et Cancel, donc je supprime tout. Il n'y a plus de position. Mais moi, ce que je recommande, c'est de se dire, voilà, on avait ce graphique-là, rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai mis. Et l'idée, c'est peut-être de regarder un peu ce qui se passe. On est sur du 1 minute. Comme je l'avais dit à Vincenzo tout à l'heure quand on a préparé le webinaire, moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est un petit peu le double creux qui s'est formé quelque part. On avait un double creux qui s'est formé ici, donc sur la première partie de journée, la fin de la journée d'hier et la première partie d'aujourd'hui. Quand on a un double creux comme ceci, on a quelque part un objectif théorique qui est ce qu'on appelle le coup de balançoire, le report du range. Donc c'est l'objectif théorique est ici par rapport à la ligne de cassure et serait ici.
Et c'était vraiment, bon, il faut me croire sur parole, je crois qu'il y avait déjà deux personnes qui étaient dans le webinaire quand on préparait, qui pourraient peut-être témoigner. Et je m'étais dit, puisqu'on était juste là au moment de notre préparation de webinaire, je m'étais dit, je voyais qu'on arrivait sur l'objectif théorique et je n'avais pas du tout envie d'acheter. Hein, et Bichenzo vous l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, je ne voulais pas acheter parce que pourquoi? L'objectif théorique étant atteint et on s'apercevait pardon, que dans le passé, il y avait ici une zone qui avait marqué une résistance. Cette zone avait servi de support à cet endroit-là et ensuite, cette zone avait été cassée. Pardon, cette zone, je voulais faire une flèche, cette zone avait été cassée à cet endroit-là et il y avait même eu un petit retour sur cette cassure ici qui confirmait bien le niveau d'ex-support, mais qui devenait résistance à nouveau. Et donc, on pouvait tout logiquement s'attendre à avoir une zone de résistance ici. Ajouter à tout cela le fait qu'on arrivait en plus hors séance. Donc, il était pour moi, effectivement, après chacun a son choix, mais moi, mon hypothèse était non, je n'achèterai pas parce qu'il peut y avoir effectivement un phénomène de réjection, un phénomène d'hésitation, de résistance, et c'est typiquement ce qui s'est vraiment produit depuis la clôture de marché. On ne parvient pas à passer les 12 815, on hésite. Alors maintenant, effectivement, si on devait se positionner sur le très court terme, si on reprend une position là, cette fois-ci protégée, si on se dit, tiens, je reprends une position protégée, donc une entrée en position se fera automatiquement protégée et avec un objectif. Donc effectivement, on a maintenant un petit mouvement qui est en train de se former. Il y a même eu ici un mini range qui s'est formé. Range qui a été cassé à la baisse, une petite accélération à la baisse. Alors, c'est jamais judicieux. Il aurait été préférable, bien sûr, d'entrer en position nous, on est rentré en position tout à l'heure, mais d'entrer en position avec une vente et pas un achat et protégé. Maintenant, le fait de rentrer en position, on est un peu en train de courir après le mouvement. Néanmoins, on n'est pas dans un phénomène où il faut acheter. Si je reprends l'exemple, je dirais l'exemple, je fais une vente. Et là, en cliquant sur celle, en un seul, parce que j'ai enlevé ici la confirmation d'ordre, on a un système où on peut désactiver la confirmation d'ordre. Alors justement, alors attendez, parce que là, voilà, j'ai désactivé la confirmation d'ordre. Et le simple fait de cliquer sur celle, je vais à la fois entrer en position, placer mon ordre stop, placer mon ordre objectif en un seul clic. Donc voilà qui est fait, je viens de cliquer. Et là, cette fois-ci, je vois de nouveau un petit moins 1 apparaître. Et effectivement, je suis entré en position short sur le MicroDAX avec donc un, comment qu'on appelle ça, un ordre stop ici et un ordre objectif là. On est rentré en position, on perd tout de suite un peu d'argent. Mais pourquoi? Très simplement parce qu'effectivement, il y a ce range-là qui était cassé. Même phénomène report de range potentiellement ici. Hein, c'est-à-dire que on est quasiment sur un objectif théorique. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même règle qui s'applique. On est sorti d'un range, on est arrivé à l'objectif théorique et il y a très logiquement une petite réjection haussière qui se produit. Pour rester baissier de manière zen, il ne faudrait pas réintégrer le range. Et si on veut ajuster notre stop, on peut le glisser comme ceci et le descendre, par exemple, à 12 807. Donc, on a réduit le risque, quelque part, qu'on prend. C'est-à-dire que la perte, elle sera ici matérialisée par ce petit rectangle-là. Ce petit rectangle, c'est la zone que je peux, enfin, c'est le niveau que je vais pouvoir perdre. Et dans le cadre de mon objectif, ce que je vise maintenant, c'est ce rectangle-ci. Voilà, ce rectangle-ci que je peux changer de couleur. Voilà, j'ai comme ambition effectivement de réaliser ce trade. Alors ça, c'est purement théorique, hein, par rapport à la volatilité du marché. Pour ma part, évidemment, je ne traderai pas le marché à cette heure-ci. Chez Selfinvest, on a dans notre petite panoplie d'outils un calcul de volatilité horaire.
la plus forte volatilité de la séance, c'est clairement pas maintenant, hein. Donc, il faut utiliser l'outil de volatilité horaire pour savoir les heures de cotation où on est. Mais ici, on fait un webinaire, on prend des trades pour vous montrer de manière pédagogique un peu comment procéder. Et là, ce n'est pas moi qui fais le webinaire, donc je redonne la parole à Vincenzo. Merci beaucoup, Alain. Alors, ça, c'est très intéressant. Et oui, je confirme que tu avais dit au début, moi, je vendrais. Et si vous avez vu, quand moi, j'ai dit, OK, les clients, ils veulent acheter. Alain, il avait dit, mais est-ce que je dois faire ce que les clients veulent ou est-ce que je peux faire ce que je veux? Moi, j'avais dit, non, je te prie de faire ce que les clients veulent. C'est pour ça qu'il a... il a acheté et il ne voulait pas acheter. OK. Je n'ai pas encore le comment dit-on? Je n'ai pas encore la main. Alors oui, je redonne la main, pardon. Donc je redonne la main ici. Voilà, okay. Oui, ici. Merci beaucoup. OK. Alors, je vois que j'ai la main encore. Alors, on avait parlé de la volatilité, le rapport de la volatilité dans les futurs, et on l'a vu aussi maintenant, comme tu avais dit, Alain, que pendant la journée européenne, le DAX, il bouge beaucoup plus, et maintenant, il bouge moins. Le DAX, il est tradé de 1h le matin jusqu'à 10h le soir. Mais c'est clair que le plus du volume, c'est de 8h le matin jusqu'à 5h30 le soir. Alors, non, c'est trop tôt. Alors, j'ai vu que j'ai une autre question, blablabla. OK. Alors, peut-être vous avez déjà vu. Mais est-ce que vous savez, j'ai vu qu'il y a quand même quelques clients qui a déjà tradé des futurs. Est-ce que vous savez WH Self Invest? Quelle est la marge intraday pour le micro DAX? Intraday, ça veut dire pendant la journée. WH Self Invest, ils ont deux marges, ça veut dire pendant la journée et pendant la nuit. Alors, C'est toujours 2 pour tous les futurs que WH Self Invest a. Alors, pour vous dire, pour moi, c'est vraiment dur de dire WH Self Invest parce que moi, je suis habitué de dire BH Self Invest, mais j'espère que ça semble quand même français quand je dis WH Self Invest. Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est la marge intraday? Moi, je vois déjà des réponses. OK. Alors, je peux voir le résultat. Alors, il y a 60% qui pensent que c'est 640 euros et 40% qui pensent que c'est 320 euros. Je vous fais voir tout de suite le résultat. Alors, vous devez savoir que les marges, ils changent. Si la volatilité, elle change, les marges changent aussi. Mais quand même, maintenant, le micro DAX, c'est 320 euros intraday. Alors, ça veut dire que si vous achetez le matin à 9h et vous vendez le matin à 10h, c'est 320 euros de marge. Si vous gardez la position par la nuit, ça veut dire que la marge de 320 euros, elle va à 1600 euros. Ça, c'est important pour vous à savoir. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que il y a un levier. Maintenant, on va regarder. Je vous avais dit 320 euros pour un micro DAX. Alors, ça veut dire que avec 320 euros, vous bougez 12 800 euros. Alors, ça veut dire que c'est seulement la marge. C'est pas seulement ça que vous pouvez perdre. À la fin, si vous vendez, vous pouvez vendre toute la différence là, les 12 800. Si vous achetez, vous pouvez vendre tout ça, tous les 12 800. Si vous vendez et je sais pas, l'indice, on sait jamais, il va à 40 000,
Alors, c'est 40 000 moins les 12 800. Parce que moi, je dis toujours, avant de connaître ça qu'on peut gagner, il faut connaître qu'est-ce qu'on peut perdre. C'est toujours très important de savoir qu'est-ce que moi, je peux perdre avant de savoir qu'est-ce que je peux gagner. Toutes les deux choses sont importantes, c'est clair, mais c'est plus à savoir qu'est-ce que je peux perdre parce que Alain, elle avait fait voir, alors moi je mets le stop pour pas perdre plus de ça, mais elle avait regardé, maintenant la volatilité elle est plus basse, alors je dois mettre le stop plus bas et aussi le gain un petit peu plus bas. Alors c'est important à savoir. Maintenant, on va regarder les marges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Disons que le DAX il est à 13 000, on achète un contrat comme on a fait avant. La marge initiale, c'est 320 euros. Qu'est-ce qui se passe si on passe un jour? Alors, c'est la marge initiale de 320, comme on a vu, va à 1 600. OK? Il y a 5 fois plus de marge qu'il faut parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la nuit. Est-ce qu'il y a, oui, dans la Russie, qu'il y a quelque chose qu'il y a, ou est-ce qu'il y a dans, je sais pas, dans le monde quelque chose qui se passe, on ne peut pas savoir. C'est clair que la marge pendant la nuit, elle est plus haute que pendant la journée. Alors, mais qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, le marché, vous avez acheté, il va de 13 000 à 13 100. Ça veut dire que vous avez un gain de 100 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? La marge, elle reste à 1 600. Mais vous aurez un gain de 100 euros sur votre compte. Il y a WH Self-Invest qui va vous donner les 100 francs. Mais attention, le jour après, si le marché va de 13 100 à 12 850, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 13 100 moins les 12 850. Ça vous donne une perte de 250. Ça veut dire que vous avez reçu 100 euros hier, mais aujourd'hui, il va vous déduire 250 euros. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça veut dire, on ne va pas faire tous les jours. Le dernier jour, c'est 13 250. Vous vendez, vous avez un gain journalier de 13 1 jusqu'à 13 250. Ça veut dire 150, mais en total, 250. Alors, parce que c'est 13 250 moins les 13 000, c'est clair que c'est 250 euros qu'on a gagné. Mais si on va regarder les plus 100, moins 250, plus 350, moins 100, plus 150, c'est la même chose, c'est les 250 que vous avez sur le compte. Alors, si vous faites le trade intraday, alors ici, la marge, c'est 320. Si vous la faites overnight, comme j'ai essayé, et Alain corrige si ce n'est pas vrai. Alors, intraday, c'est 320. Après la nuit, c'est 1 600. Et pendant la journée, c'est encore 320 après. Et le jour, la nuit, ça va à 1 600. Ça change toujours. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, si on va regarder, je vous avais demandé pour le levier, et je pense qu'il y avait 100% qui ont dit oui, avec le futur, on a une volatilité. Alors, si on va regarder qu'il y a une marge intraday de 320, il y a un levier de 40. Mais pourquoi? Parce que 320, si on va regarder que le indice, maintenant, il est un petit peu moins, mais si on va regarder qu'il est 13 000, alors ça veut dire que vous avez un levier de 40 parce que la marge du DAX, c'est que 2,46%. Alors, si la marge elle va augmenter de 320 à 640, c'est clair que le levier, il va être la moitié. Le levier, au lieu d'être 40, il est 20. Alors, et qu'est-ce qu'il faut aussi savoir? Que pendant la journée, comme vous avez une marge de 320, le levier c'est 40, mais à la fin du jour, la marge elle va à 1 600. Ça veut dire que aussi, le levier
va pas être le même, mais va être 8%, pardon, 8 fois. Le levier va être 8 fois. Ça veut dire que si le levier, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, 40% pendant 40 fois, qu'est-ce que ça veut dire le levier? Le levier, c'est que si le futur, il bouge de 1%, si vous avez acheté, il bouge de 1% en haut, vous avez gagné 40 fois plus, ça veut dire 40% sur le total, sur les 320, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe si ça descend 1%? Alors là, c'est aussi 40% de moins. Il faut savoir que si le DAX, il descend de 12 800 quelque chose à 1%, vous avez perdu 1000, comment dit-on, 128 euros. C'est pour ça un levier de 40, 128 sur 320, c'est clair, c'est 40 fois plus que sur le futur. Ça, c'est très important de savoir. Alors, maintenant, vous avez vu ça, alors je ne dois plus vous faire ça. Mais une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très important à savoir. Alors, moi, je vous avais dit que la volatilité, 32%, veut dire que le marché, il s'expecte que le marché va monter 32% ou descendre 32% avec un pourcentage de 68%. Mais attention, ça c'est que la théorie. Ça c'est que la théorie. Parce que si on va regarder dans la pratique, c'est quand le marché il descend, la volatilité, regardez là, la volatilité, elle monte de 15 à 50. Alors, ça c'est vraiment beaucoup. Alors, le marché il descend, la volatilité, elle monte. Ici, là, le marché, il monte. Regardez la volatilité, elle descend. Ou aussi ici, le marché, il tombe, la volatilité monte. OK? Et après, ça reste, OK, la volatilité, elle descend. C'est toujours comme ça que quand il y a si vous regardez aussi, le marché descend, la volatilité, elle monte. C'est toujours la même chose. Mais quand le marché monte, la volatilité, elle se repose, elle va en arrière. Alors, ici, vous voyez que la volatilité, c'est 70%. 70% divisé par les 16. OK, moi, maintenant, je dois calculer. Mais c'est plus ou moins 4% et quelque chose. 4% et demi, plus ou moins. Et si on voit ça, on doit dire, il y a des personnes qui, ici, ils vont acheter le futur, et ça, c'est clair, là, on va gagner. Si, ici, vous allez acheter un call, parce que vous pensez que le marché va monter, alors, le marché, il monte, effectivement, mais il y a la volatilité qui descend de 70 à 30, alors là, l'option, pardon, l'option vaut que la moitié. Si la volatilité descend de 60 à 30, le call, le valeur, c'est la moitié. Alors, maintenant, dans le futur, c'est pour vous dire qu'il y a le levier. Et une autre chose. Ici, j'avais écrit Eurostoxx comparé avec le VSTOXX. Alors, pardon, le VSTOXX, c'est aussi un futur. Je vous avais dit qu'on a des futurs sur des indices, on a des futurs sur des actions, et le VSTOXX, c'est un futur sur la volatilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en achetant le VSTOXX, vous dites, ah, je sais pas le marché où il va, mais il va bouger beaucoup. Alors, moi, je pense que la volatilité du marché de combien c'était ici? C'était 15%. Alors, je pense que les 15%, c'est peu. Moi, je vais acheter le VSTOXX. Vous n'allez pas vendre le futur. Parce que si après ça monte, vous perdez. Vous pensez seulement, il y a 15%, ça veut dire, moi, j'ai entendu 15 divisé par 16. Ah, ça fait que le marché bouge moins de 1% par
par jour. Mais ici, ça veut dire que à la fin, vous aurez gagné avec le V-Stocks parce que le futur, il va aller de, comment dit-on, de 15%, il va à 70%. Mais c'est clair, vous pourriez aussi le vendre. Si vous voyez ici, il est à 70% et vous calculez et vous dites, ah, c'est 4% et demi par jour. Moi, je pense que c'est trop haut. La volatilité, ça veut dire que vous n'allez pas penser s'il y a le DAX qui va monter ou descendre. Il n'y a pas le Eurostoxx que vous avez, que vous pensez il va monter ou descendre. Que la volatilité. Vous dites 7, 70 divisé par 16, toujours les 16, ça me donne 4% et demi. Ah, je pense pas que le marché va faire ça. Vous pourriez vendre le V-Stocks. Alors, les futurs et aussi les options dans Eurex, on peut les acheter. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais on peut aussi le vendre sans l'avoir. C'est ça que Alain voulait faire. Il a dit, moi, je pense que le DAX, il va descendre. Alors, il voulait descendre le DAX. Ça, c'est très important. Le V-Stocks, comme ça, vous ne pensez pas le marché monte, le marché descend, mais vous pensez la volatilité, elle va descendre ou elle va monter. Ça, c'est une chose que on peut prendre en considération au lieu de vous pouvez faire le DAX, comme ça, vous tradez l'idée du DAX, il monte ou il descend, ou vous faites le V-Stocks, ça veut dire la volatilité, elle monte ou elle descend. OK, alors écoute Alain, moi j'ai terminé. Moi j'ai presque tout dit. La seule chose que je voudrais bien dire, alors, il faut absolument savoir quels sont les titres dans l'indice, quels sont les titres les rélevants. Pour savoir, ah, mais moi je suis positif sur le DAX, ah, ça veut dire que moi je suis positif sur S&P DAX, là, là, là. OK. Une autre chose, je vous dis, concentrez-vous seulement sur cinq choses, sur cinq indices ou sur un indice et quatre actions. Concentrez-vous pas sur 50 choses parce que à la fin, si vous vous concentrez sur cinq choses, à la fin, vous les sentez, les indices, vous sentez aussi les actions. Mais si vous vous concentrez sur 100 choses, c'est pas possible de se concentrer sur toutes ces choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Performance Index, c'est pas la même chose comme le Price Index, de savoir ça. Si vous faites des trades intraday, c'est égal parce que ça bouge et ça fait rien. Et il faut connaître la volatilité. Le numéro 16, que quand vous voyez une volatilité, vous la divisez par 16 et comme ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, j'ai terminé, Alain. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Pour moi, c'est toujours bien de faire ces séminaires en français. Et regardez aussi le V-Stocks qui bouge vraiment beaucoup. On peut beaucoup gagner, mais attention, on peut aussi beaucoup perdre. Si ici on est short, alors là, ça coûte. OK? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup également à toi, Vincenzo, de nous avoir offert ce webinaire et surtout de nous apporter une lecture qu'on n'a pas toujours du marché et notamment cette comparaison entre le DAX et les autres indices. Effectivement, quoi que l'on fasse en trading, que ce soit travailler avec un indicateur, travailler avec un indice, travailler avec un futur ou un CFD, il est essentiel de bien connaître les produits avec lesquels on travaille, de connaître les indices que l'on va travailler, de connaître les indicateurs, qui les a créés, pourquoi les a créés, etc., etc. Donc, le plus dangereux pour moi en trading, effectivement, c'est d'aller utiliser ou d'y aller au petit bonheur la chance. Et d'aller utiliser quelque part, d'aller travailler sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le conseil donné par Vincenzo à l'instant, effectivement, est judicieux, bien évidemment, de rester concentré sur peu d'actifs. Il ne faut pas vouloir se disperser
et se dire on va travailler sur tous les futurs qui existent chez Eurex ou ailleurs, on va travailler sur toutes les actions qui existent. Non, effectivement, quand on se concentre sur peu d'actifs, ben, comme Vincenzo vient de le dire, on sent l'actif, on sait très bien comment il réagit et il y a des comportements propres à chaque actif en fonction de ses particularités et autres. Donc, et ça, on acquiert cette expérience que par la pratique, bien sûr, et au fur et à mesure du temps. Donc, un conseil très judicieux. Donc, voilà, ce webinaire était passionnant, je pense. Il va être, bien sûr, en mode enregistré. Alors là, je vais juste maintenant remercier une nouvelle fois Eurex et Vincenzo et arrêter le mode enregistré.